Bonsoir tout le monde. Ah là 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 là, mon Dieu. Ah, je suis trop contente. Je veux dire, j'ai speedé parce que franchement, je me suis dit, on va pas commencer à l'heure. C'est comme d'habitude, il y a toujours des aléas. Mais on est là avec tout le monde, tous les invités. C'est trop génial. Et puis, on va continuer notre semaine dédiée à la femme, rien que madame. On va les mettre à l'honneur. Ça va être quelque chose de super génial. Et on va commencer par le coup de cœur. C'est un coup de cœur, c'est vrai qu'on pense aux femmes dans la fonction entrepreneuriale, on pense aux femmes mamans, mais il y a aussi les femmes victimes. Et à un moment donné, ces femmes, elles disent stop. Cette lutte pour les droits de la femme entre dans son processus. Et j'ai trouvé ce clip que je vais vous présenter extraordinaire avec des Guadeloupéennes de cœur. Et puis, je ne vous dis pas, je vous dis pas plus, pas plus. Non, on va parler trop. Le petit coup de cœur, rien que pour vous. Moi que ces dernières fois où j'ai dit moi ça trop souvent, c'est la énième fois. On décide panier pour notre choix. Assez-vous en caille tracé en quoi. Si moi on pété qu'on y est, faut ça bon Dieu, faut ça arrêter. Laisse-moi comme ça.
rapprocher tout dignité. L'homme souhaite-moi, la souhaite-moi comme ça. Stop à la violence faite aux femmes. Comme je vous ai dit, hein, de belles femmes francophones, des femmes guadeloupéennes. On a reconnu Crystal, on a reconnu Brigitte, entre autres. Donc, sincèrement, ça a été vraiment un coup de cœur. Et j'ai voulu vous partager justement cette découverte sur les réseaux. Et puis, partager Bayo Fosla. On sent l'empreinte de Frédéric Caracas dans cette histoire. Donc, sincèrement, ça a été un plaisir. Donc, on continue les invités du jour. Alors, il y aura, comme on dit, cet après-midi sera très particulier. Vous savez, il y a très longtemps, je me rappelle, il y a, on va dire, oh là là, 40 ans de ça. Donc, ça ne me rajeunit pas du tout. On voyait dans les rues de la Guadeloupe des dromadaires, des chevaux. On se disait, on était très curieux, on était enfants. Et puis, à l'école, on nous disait qu'il y a un cirque qui est arrivé en Guadeloupe. 81, rassure-moi, par contre, 81, cirque, on ne voit ça qu'à la télé. Et encore, pour certains qui avaient la télé en noir et blanc, se rappelle, on remonte dans les 70, donc on ne voyait pas trop, on voyait plein d'acrobates, des clowns. Et puis, au fur et à mesure, cette culture du cirque arrive en Guadeloupe en 81. Avec le cirque Jean-Richard. Je pense que beaucoup s'en rappellent. Et Jean-Richard, pour ceux qui sont de cette génération, on rappelle, était très célèbre comme acteur et c'était un commissaire. Et ce commissaire nous ramène un cirque. Évidemment, t'es belle. On aimait, on disait que c'était extraordinaire de voir des acrobaties, de voir des clowns, de voir énormément de choses qu'on ne voyait qu'à la télé qui est venue sur le splat de Grand Camp. Ils étaient pour suite à Grand Camp. Grande esplanade. Et on avait ça. Ceux qui pouvaient y aller. En tout cas, je pense que beaucoup, beaucoup d'écoles de la Guadeloupe y ont emmené des élèves. Donc, on faisait partie. Donc, c'est là que je veux dire que ça a commencé, mon histoire de cirque a commencé là. Et puis, là, j'entends cette semaine qu'il y a, j'entends cirque, circus. Je me dis, ah, il y a encore des cirques en Guadeloupe. Mais bon, le cirque a évolué. Elle a évolué, elle s'est modernisée. On parle de cirque contemporain, ça remonte. Mais moi, j'ai envie de dire que le cirque est bien plus que ça aujourd'hui, parce que les deux personnes que j'ai sur mon plateau, parce que c'est des madames, ces deux femmes vont nous parler justement de leur passion et de la façon dont le cirque a évolué en Guadeloupe. Donc on va saluer ces deux dames qui font partie d'une association Métis-Groix. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et j'ai oublié de faire ma classe, hein. Donc vous savez quoi, je vais leur demander leur prénom en direct. Alors, bonsoir. Bonsoir, donc Sophie. Sophie, et bonsoir. Bonsoir, Johanna. Johanna. Donc, j'ai Sophie et Johanna sur le plateau. Et Sophie, alors, par rapport à ton association Métis-Groix, tu es... Alors, moi, je suis la directrice et fondatrice de Métis-Groix. D'accord. Et moi, je suis attachée à la communication. Ah, ces femmes. Donc, pourquoi j'ai tenu à vous parler? Parce que c'est vrai que Métis-Groix, on entend beaucoup sur les réseaux. J'ai vu des articles de presse, j'ai énormément vu d'écriture sur leur production, ce qu'ils font. Et c'est un honneur aujourd'hui pour moi de les accueillir pour pouvoir les mettre en valeur, mais pas que, nous expliquer justement comment a commencé cette aventure et pourquoi déjà emmener, continuer cette histoire du cirque en Guadeloupe et qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui vous côtoient, qui vous entourent. Donc, Métis-Groix a combien d'âge? Alors, Métis-Groix a été créé en 2007. D'accord. Donc, ça commence à dater. Ouais. Hein, c'est une aventure, effectivement, qu'on a partagée. Et Métis-Groix, aujourd'hui, se retrouve à avoir beaucoup de femmes au sein de Métis-Groix. Alors, on a parlé de l'évolution de ce cirque traditionnel. Mmh. Effectivement, c'est un peu la vision qu'on a du cirque. Ouais. Et d'arriver sur cette image de cirque contemporain. Et il faut aller plus loin, du coup. Et maintenant, oui, pourquoi pas un cirque contemporain caribéen. C'est ça.
Donc l'aventure de Métisgois, c'est un peu, c'est d'abord de travailler à travers les arts, de travailler ces métiers, parce que derrière la culture, il y a des professions, que ça soit l'artiste, mais autour de l'artiste, jusque dans l'administratif. Voilà, faut pas oublier tous ces aspects. Et donc nous, on travaille au développement d'une filière. Dans cette filière culturelle, on a choisi particulièrement le cirque parce que le cirque a la capacité en fait de rencontrer. Les Métisgois, c'est ça, c'est la rencontre. Comment se connaître, se rencontrer entre nous et pourquoi pas travailler à la connaissance et la reconnaissance de nos territoires. Donc le cirque contemporain, c'est une rencontre entre un art, peut-être qu'effectivement on a moins ça, il n'y a pas d'école de cirque en Guadeloupe, en tout cas d'école de cirque professionnelle. Donc comment l'acrobate, comment le jongleur, comment toutes ces pratiques un peu, ces prises de risque viennent à la rencontre de ce qui est... Par contre, là où nous avons une forte identité, à travers la danse, à travers le théâtre, à travers les arts plastiques, et comment mener ces rencontres. Alors, le cirque contemporain de Guadeloupe, c'est vraiment un métissage et à la rencontre vraiment à l'échelle de la Caraïbe et d'international. Alors, pour bien centrer et bien faire comprendre aux téléspectateurs, c'est vrai qu'il y a des fondamentaux. Le cirque de base, comme on le connaissait avant, c'était avec des animaux, des acrobates, des danseurs, des clowns. Puis au moment, ça a évolué. Et c'est vrai que cette évolution, si j'ai bien compris, en Guadeloupe, on a mis une touche particulière. Ben oui, alors le cirque traditionnel, déjà, c'est sous un chapiteau. C'est effectivement, ça. On parle du clown. On parle du cercle. Déjà, voilà, le cercle, les animaux. Mais voilà, le cirque, ce n'est pas... que ça, et ça a eu une belle évolution, ce cirque contemporain, qu'aujourd'hui on retrouve à la fois sur les plateaux de scène nationale, ou de Paul Cirque, ou enfin de tout théâtre, puis aussi c'est un art qui est dans la rue. C'est ça. Donc c'est comment sortir du traditionnel pour aller un petit peu, je dirais pas dans la modernité, mais dans la nouveauté. Et c'est, voilà, c'est cette rencontre. Alors là, Métisgois, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur un cirque chorégraphié, un cirque caribéen chorégraphié, parce que qu'on soit Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Saint-Lucien, Grenadien, on a chacun notre empreinte dans nos îles. Et d'amener cette rencontre entre ces artistes qui ont leur culture en eux et ces artistes qui viennent d'ailleurs avec cette pratique du cirque, ben, ça permet de faire des passerelles entre deux pratiques. Et quand on est sur scène, on sait que là, c'est pas un cirque, c'est pas le même cirque qu'au Japon ou en Europe, en France ou ailleurs. C'est un cirque qui vient de la Caraïbe. Alors, c'est dans cette évolution, donc vous avez fixé quand même des objectifs. C'est vrai que on va découvrir au fur et à mesure de l'émission les productions de Guadeloupe Métis, mais de Métisgois, excusez-moi, j'ai inversé le truc. Voilà. C'est quel objectif justement visé? Parce que c'est vrai que si on regarde bien dans beaucoup de vos manifestations, vous êtes dans un quartier. J'aime pas trop dire ça, on dit quartier dit sensible ou populaire, mais vous êtes dans une zone qui, effectivement, où on dit que les jeunes sont un petit peu voués à eux-mêmes, n'ont pas beaucoup d'activités, et vous œuvrez beaucoup dans ces quartiers-là. Alors, effectivement, on est en train d'évoquer deux facettes de Métisgois. Pour l'instant, on parlait de ce cirque contemporain et donc de la création. Métisgois crée des spectacles de cirque caribéen. Notre dernière création, Belle Place, chorégraphiée par le chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus, qui rassemble des danseuses guadeloupéennes, guyanaises et des artistes de cirque. Donc ça, c'est les formes de plateaux qui sont visibles à la scène nationale de Guadeloupe et à l'international. On va partir au Canada, en Colombie. Et derrière, il y a le travail que Métisgois fait en termes de public et de médiation. Parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude en Guadeloupe d'aller voir des spectacles de cirque. Mais pourquoi? Parce que voilà, déjà, il faut... donner accès, rendre accessible ce cirque. Et le choix, en fait, d'aller dans certains quartiers sont liés aussi à la capacité qu'a le cirque, et on parle de cirque social. Le cirque véhicule certaines valeurs de solidarité, d'entraide, qui sont, je pense, indispensables. Justement, ce lien social, comment cet art qui, dans la rue, permet, voilà, quand on prend des prises de risque, on s'aide.
Il y a l'entraide, la citoyenneté. Voilà. Et ça permet de créer du lien social avec les habitants. Et particulièrement dans ces quartiers, je pense que c'est intéressant et nécessaire. Alors, comment on voit les photos qui défilent ? C'est des photos en plus magnifiques. Sincèrement, je pense aussi qu'il y a ce volet de photos nature, photos vivantes. On va te dire. Donc, comment ces enfants, justement, apprécient cette présence, apprécient justement cette participation à ce cirque de rue ? Quel retour vous avez de ces gosses ? Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Effectivement, Métisgois, on travaille avec l'artiste que vous voyez derrière moi. C'est un artiste brésilien qui vient lui-même des quartiers, des favelas du Brésil. Mmh. Donc, une compréhension. Et voilà, à chaque fois qu'on... Bah, déjà, alors, on a quand même des artistes guadeloupéens qui, chaque semaine, de façon quotidienne, mènent des ateliers au pied des immeubles. Au plus près, parce que c'est parfois des publics qui ne se déplacent pas. Aller dans un espace culturel, c'est une démarche. Ouais. Et parfois, où on n'ose pas, où on ne sait pas, où on ne peut pas. Donc la démarche, c'est que le cirque vienne justement au pied des immeubles de chacun, devant la porte, et soit accessible à tous. Alors, les artistes qu'on accueille, là, c'est un artiste brésilien. Aujourd'hui, on parlera de l'actualité, ce sont des artistes canadiens. C'est à côté de ce travail mené par les Guadeloupéens tout au long de l'année, ben, c'est créer des rencontres et aller au-devant de ces enfants qui découvrent du fait différents agrès. Et c'est ce qui, j'espère, depuis maintenant que Métisgois travaille auprès d'eux, crée un intérêt. Et ce qui était très chouette, c'est que dernièrement, on a pu emmener un groupe de ces jeunes pratiquants, dont certains évoluent dans le quartier, d'autres prennent le bus de Métisgois pour aller jusqu'au centre culturel Emmanuel Albon pour pratiquer, parce qu'à un moment donné, la question des espaces quand même se pose. D'accord. C'est bien d'être dans la rue, mais à un moment donné, il y a aussi de la sécurité. Oui, si on veut aller plus loin, que ce soit escadré. Il faut quand même des espaces équipés. Ouais. Et puis, Métisgois aussi a emmené des enfants à la scène nationale, à Basse-Terre, découvrir un projet professionnel sur le plateau de la scène nationale. Et ça, c'est très intéressant. Mais justement, c'est une très belle transition parce qu'en 2019, la main de la mer sur la scène nationale, l'archipel Basse-Terre, c'est une histoire. Alors, je vais entendre la voix de la demoiselle qui est juste à côté. Alors, comment arriver à transposer notre histoire, parce que si j'ai bien compris, c'est ça, hein, c'est notre histoire, c'est à travers les mers, à travers ce métissage, des rencontres, et arriver avec le chorégraphe, c'est Monsieur Leroux, c'est ça ? Alors, effectivement, c'est toute une histoire. Je vais t'aider, Johanna, parce que Johanna nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Voilà. Ah, donc, d'accord. La main de la mer, c'était bien avant. Donc, c'est effectivement. Ce travail a démarré en fait en 2010. Voilà. Et c'est une rencontre avec une structure qui est en France, en région parisienne, Bagneux, donc qui travaille avec une communauté issue des Outre-mer, hein, mais de la région parisienne. Et ensemble, en fait, dans le cadre de... C'était l'année des Outre-mer, en 2011, on a créé des passerelles, justement, nous, nos artistes, nos danseurs, nos breakers, nos hip-hoppers. La pratique acrobatique n'était pas si loin. Ouais. Et voilà, on s'est rencontrés avec ces artistes de cirque et sont nés des projets. Alors, La Main de la Mer, c'est pas le premier. Il y avait Antipode, avant, qui était 10 artistes au plateau. On va le voir tout à l'heure. Et La Main de la Mer, en fait, c'est un parcours, je pense que c'est un cheminement qu'on a eu à l'époque. C'était Gaëtan Levesque, hein, qui est un metteur en piste, justement, qui aujourd'hui est le directeur artistique du plus petit cirque du monde, ce partenaire qui n'a rien de petit. C'est une cathédrale de cirque à Bagneux. Et ensemble, on a fait un chemin. Et La Main de la Mer, je pense que c'est un petit peu ce chemin de rencontre. Parce que quand on parle de nos destinations, je sais que quand même l'histoire est là. Elle est forte, elle a son empreinte. Mm-hmm. On a une histoire douloureuse et c'est parfois nécessaire d'en parler. On a besoin de se l'approprier, exactement. Et même ce metteur en scène qui finalement a son histoire, mais de l'autre côté de la mer, lui aussi a eu besoin de partager. Donc La Main de la Mer, c'était traversé par cette histoire de l'esclavage, de notre histoire commune, mais évidemment actualisé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi être caribéen dans toute sa modernité ? Aujourd'hui, on est rattaché au monde et l'avenir est devant nous.
Et la nouvelle création, là, on se libère. Donc c'est, et puis dans le travail, si vous voulez, c'est une recherche. Mm-hmm. Parce qu'on a dit on mettait de la danse avec du cirque. Mais bon, le danseur, il n'est pas circassien. On entend bien le cas. C'est-à-dire qu'on a, on a intégré beaucoup de choses. On a intégré des mimiques. On a intégré... Je sais pas, moi, en tout cas, quand j'ai regardé, je me suis retrouvée. Eh bien... Tant mieux, c'était le but. C'était le but. Parce qu'au début, quand vous mélangez du cirque et de la danse comme ça, non, la connexion, elle n'est pas forcément évidente. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup de laboratoires, et vous l'avez très bien dit, le cas, notre identité. Parfois, quand on mélange deux mondes, c'est déjà aussi un partage culturel qu'il faut faire. Il y a une culture de là-bas. Certes, le cirque véhicule beaucoup de quelque chose de là-bas, mais on a une culture aussi, et de faire ce chemin vers ce que nous sommes, notre histoire, notre culture, voilà, on a aussi, nous, nos repères, parce que tout ça, c'est des repères aussi, et d'amener le cas dans ces rencontres, c'est faire un pas, premier pas sur les Outre-mer. Voilà. Et après, on peut commencer à faire des échanges. Ouais. Faisons déjà ce premier pas. On se présente. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de connaissance et de reconnaissance de notre territoire. Et une fois qu'on a fait ce chemin-là, voilà, après, on peut se libérer et parler artistique. Alors justement, on va vous donner l'extrait. C'était franchement, c'est très court, mais c'est très parlant. Dans les paroles, qui qu'amour passé, mi gandé, mélangé, en sens à la vie. Qui qu'a penché, machin, qu'a monté, qu'a descendu la rivière, devant y calé. Tête collée bout à bout, dos à dos, aussi bon, mais les gosses en effarine. Des mots qui ca coupé, ca haché, péguéri bobo, qui panique pas non. Des paroles qui ca monté, ca descendre, ca fouillé, sans trahir la même. Ca cherché en oreilles, pour pousser, pour piquant, pour debout, pour vent y caler. Frappé porte, jambé, bassin, des baillets, mais personne ne pas vétendre. Des mots qui ca coupé, ca haché, qui pas ca guéri, pas soin ni pas don. Là, effectivement, c'était antipode ce qu'on racontait. Mais aussi sur la scène nationale, on va tout de suite, on va pas tarder, tout de suite sur la scène nationale, la main de la mer. Et après, on continue notre interview. Désolée, il y a eu un petit incident technique, mais ça arrive, c'est les aléas du direct, mon cher Jordan. Donc, on va continuer. Et puis, justement, on va continuer sur le programme de Métisgois. Alors, vous avez vraiment, pas le deux, parce que je pense que c'est d'actualité, accès, plus en lumière, le cycle de quartier. Vraiment plus en lumière. Est-ce qu'il y a un constat ? Parce que c'est vrai, quand on fait des événements ou qu'on fait des projets de ce type, c'est qu'on a fait un constat qui nous emmène justement à prioriser des activités. Est-ce que tout au long, depuis 2007, Métisgois est là, on observe, on a parlé des jeunes, on a parlé des personnes qui les rencontrent, des personnes qui sortent de partout, on m'a dit Brésil, Guyane, Martinique. Et en ce moment, cirque quartier, je pense, prend beaucoup de place. Ah ben... Oui, donc en ce moment, on a une action qui s'intitule effectivement cirque en quartier. Ouais. Donc on amène le cirque dans ces quartiers. Donc, comme Sophie l'a dit tout à l'heure, toutes les semaines, déjà, on intervient pour faire des ateliers au pied des bâtiments avec les enfants des quartiers. On les amène aussi dans un centre culturel. Et là, en ce moment, on accueille des artistes qui viennent du Québec. Et donc, on a une action centrée sur les quartiers. Donc, les artistes sont ici en ce moment dans le cadre du Labo Cirque Québec. Donc, l'intérêt, c'est que ces artistes venus d'ailleurs rencontrent nos populations, rencontrent notre territoire, et des nouvelles idées de création en lien avec notre territoire. Mmh. Et ils travaillent aussi avec des artistes locaux. Donc en ce moment, ceux qu'on reçoit, c'est la Quadrature, donc Joachim Verrier et Joël Malkoff, qui collaborent avec Christopher Pagnandi, qui est notre artiste local de la Guadeloupe. Et ils ont pu aussi rencontrer Claude Kiavué pour des interventions cas.
Donc ça a commencé la semaine dernière. Samedi dernier, on a joué à La Croix. C'était vraiment un moment où les artistes se sont rencontrés 48 heures plus tôt. Donc les Québécois sont arrivés avec leur spectacle, Christopher avec son art, il travaille surtout le machinois, et il vient aussi de la capoeira, enfin il a multiples talents. Et du coup, en 48 heures, ils nous ont monté quelque chose de formidable, ouais. qu'ils ont présenté donc, samedi dernier devant un public qui a été conquis. On a eu aussi une démonstration de fil de fer, et tout ça au son de Claude qui a vu. Donc c'est une formidable rencontre. Et on propose encore ce moment vendredi, donc demain, à Senis, au terrain Senis, donc derrière les résidences, pour ce moment aussi. Donc dès 17h, vous pouvez venir pour un atelier cirque, une rencontre où nos artistes vont vous montrer un peu leurs talents et puis former un peu des mini-ateliers, donc de la manipulation d'objets, de l'équilibre, voilà, donc tout ce qu'on voit sur ce flyer. Et ensuite, il y aura donc le spectacle, leur création unique et originale. Et encore au son du cas de Claude qui a vu. Et je vous promets, c'est un moment magique. Alors, c'est vrai que je vais insister, parce que vous faites des choses trop formidables. La petite jeunesse qui est dans ces quartiers, cette sensibilisation, quel est leur retour? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école, mais est-ce que c'est leur permettre d'avoir une autre vision, leur permettre d'avoir une confiance dans leurs capacités? Moi, je dis plein de choses, hein, oui. parce que je sais que le cirque, ça bouge. C'est toujours en mouvement. Et vous le dites, quand on entend le cas, on ne va plus le redire. Avec Biggie D, on nous a dit que quand on entend ce son, on ne peut pas rester statique. Mais on sait aussi que les acrobaties, ce n'est pas non plus statique. Donc, quand on montre ces deux mondes arrivent à s'accrocher et que je vois les yeux de ces gamins qui sont autour de vous, c'est vrai. Quelle est la mission? Mais la mission, c'est de conquérir le public. Un spectacle ne vit pas s'il n'a pas de public. Ouais. Et le fait de ne pas connaître vraiment le cirque contemporain fait que les enfants ne pensent pas à aller voir le cirque, les spectacles de cirque. Si les enfants ne pensent pas, les parents n'y pensent pas. Et notre mission, en fait, c'est ça, c'est de faire découvrir ce cirque, donner envie de pratiquer, donner envie de venir voir et puis changer aussi les idées, parce que c'est beaucoup d'a priori. On se dit, quand on entend le mot cirque, on dit ouais, ça c'est un truc qui vient d'ailleurs, c'est un truc qui vient là de ceux qui sont là-bas, ceux qui sont un peu clairs de peau, et donc on n'y pense pas toujours. Donc on se dit c'est quelque chose qui n'est pas de chez nous et c'est pas spontané en fait d'aller voir du cirque, alors que non, au contraire, justement c'est l'intérêt, c'est que c'est ouvert à tout le monde peut y avoir accès, et effectivement les enfants sont le gage de l'intérêt que tout ça donne, parce que quand on va dans les écoles, alors là justement Johanna vous racontait la venue de ces artistes canadiens qui nous viennent de la TOHU, qui est la Cité des Arts du Cirque de Montréal. Alors on fait des expériences, on va dans les écoles. Ouais. On va dans les écoles, on va à la cour de récréation. C'est sympa, la sonnerie, ça sonne, les enfants, ils sortent, et puis là, il y a des artistes dans la cour qui arrivent avec des choses qu'on ne connaît pas trop bien. Il y a un machinois, vous voyez, cette barre-là, verticale, où on se retrouve un Guadeloupéen en haut de la barre, improbable. On a un fil de fer. Fil de fer, c'est un peu le funambule. On connaît un peu le funambule. Mais oui, voilà, c'est ça. On a un aperçu. Voilà, donc ce fil de fer qui vient, où d'un seul coup, vous avez un acrobate qui vous fait un saut périlleux et qui retombe sur ses pieds, sur le fil. Ouais. Improbable. Oui, c'est clair. Voilà, donc j'imagine les yeux de ces gamins. Ouais. Voilà, c'est des rayons de soleil dans les regards. Ouais. Et l'intérêt de mixer ces rencontres et de mixer ces rencontres avec nous-mêmes, c'est de rappeler que nous aussi, c'est possible. Ouais. Après, c'est juste, voilà, il faut des infrastructures, il faut des professeurs, il faut des ateliers, il faut des endroits pour, et on s'applique à ce qu'il y ait des accès le plus facile possible quand on est dans la rue. Mais après, bien évidemment, on encourage toute personne, d'ailleurs qu'il soit enfant ou adulte, de venir pratiquer. Et là, j'encourage bien évidemment les collectivités, les élus. On va aller. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on allait dire le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Créons espaces équipés où on peut pratiquer, et au-delà de pratiquer, créer pour mener des spectacles professionnels à dimension et donner une visibilité de nos territoires, de la Caraïbe, à l'international. Voilà. Alors c'est vrai que 2007,
Donc c'est très bien d'en parler, j'y arrivais. C'est quoi la journée de Sophie pour pouvoir justement arriver à monter ce genre de spectacle? Qu'est-ce qui te motive tous les matins à te dire, parce qu'on sait que c'est pas facile, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de structure, il manque d'espace, on essaie de faire avec les moyens. Déjà, premièrement, est-ce que tu es entendu par ces fameuses collectivités? Je sais qu'effectivement, on parle beaucoup de fonds européens, mais est-ce qu'il est facile d'accès? Et comment tu arrives justement à produire ce beau spectacle avec le peu de moyens quelquefois que tu as, quoi? C'est des questions qu'on a envie de te poser. Alors, comme je disais, la culture, c'est des métiers et qu'effectivement, derrière la création de ces spectacles, c'est un travail de tous les jours, 24 heures sur 24 presque, pour effectivement aller chercher les financements, monter les projets. Alors, Métisgois, sur ce long chemin, effectivement, qui a été long et difficile, mais ô combien passionnant. Alors, aujourd'hui, on est ravis quand même parce que Métisgois est suivi par toutes les institutions, que ce soit la direction des affaires culturelles, le conseil régional, le département. Et la ville, aujourd'hui, après un cheminement un peu partout à travers la Guadeloupe, on s'est posé de façon voulue dans ces quartiers parce qu'on a choisi effectivement les endroits où on voulait être avec la ville des Abîmes. On travaille évidemment avec Cap Excellence pour ces questions de la politique de la ville. Et vous l'avez aussi très bien dit, le nerf de la guerre, c'est d'aller plus loin, les fonds européens, ces fameux fonds européens. Mais c'est une question d'argent, certes, parce qu'évidemment, avec des fonds européens, on change d'échelle, mais c'est aussi le plaisir de travailler en coopération parce que d'être une île, de ne pas être isolé et de pouvoir justement travailler en coopération, c'est être interreg, être européen, c'est aussi coopérer avec d'autres territoires. Et donc, effectivement, depuis 2008, on a travaillé sur un projet interreg Caraïbes qui s'appelle PACAM, Passeport Caraïbes Amazonie dans ses cirques, qui rattache les deux que vous venez de connaître, Métisgois en tant que chef de file et le plus petit cirque du monde, notre fameuse cathédrale du cirque de Bagneux, mais avec la Guyane, le centre développement chorégraphique national de Cayenne, toujours ce lien avec la danse, des destinations comme la Jamaïque, Enlamant les collèges en Jamaïque, l'Alliance française de Sainte-Lucie, et puis la Martinique aussi, une association Les Artichauts, qui est un festival d'art de la rue, d'ailleurs, qui aura lieu au mois de mai. Et donc, grâce à ces fonds européens, déjà, Métisgois a pu changer d'échelle. Et là, voilà, ça permet du coup de créer, salariés et voilà, de continuer ce travail. Mais voilà, c'est comme je dis, ce sont des métiers et il faut continuer à faire ce qu'il faut pour permettre à chacun de nous de vivre de nos métiers. Alors, on va faire cette pause vidéo, sincèrement, Métisgois, avec encore de la danse mêlée à de l'acrobatie. C'est le cirque de la Guadeloupe, faut le dire. Le cirque de la Guadeloupe, on ne peut pas dire autrement.
justement on cherchait où avait lieu ce magnifique spectacle. Donc c'était dans le quartier du Rézé, c'est ça? Alors c'est le Rézé, effectivement. Là, ce que vous avez découvert, c'est une forme assez pas originale, comme quoi le Covid nous a un peu transformés de la contrainte est née la créativité. En fait, on a créé ces cartes postales, Circus from Guadeloupe. Ouais. À l'époque, on ne pouvait pas faire des représentations en public. Est née cette histoire, mais du coup, on la continue maintenant. Et donc là, vous avez une histoire de deux artistes guadeloupéens, d'une rive à l'autre. Ce sont deux jeunes qui viennent de la danse, un danseur et l'autre qui a déjà fait un parcours vers la capoeira, et qui s'approprient ce cirque et qui en ont fait voilà cette petite histoire dans les rues du Rézé, parce que notre mission, enfin le travail aussi qu'on mène, autant tout à l'heure on regardera le teaser de Belle Place qui est cette forme plateau, vocation de tourner dans les salles, mais la question des salles évidemment on n'en a pas tant que ça. Et donc la question de l'espace public, l'espace en tout cas qui soit urbain, rural, patrimonial, commence à prendre tout son sens, et c'est le travail qu'on a initié là ces derniers temps, mais qu'on va beaucoup développer par la suite. C'est cette implantation territoriale que Métisgois a choisi de travailler sur son territoire, mais c'est aussi en écho des choses qui vont se faire en Guyane, en Martinique. Voilà, on a nos artistes aussi de nos territoires, et comment on les accompagne vers la création avec cette pratique de cirque, en travaillant avec l'espace urbain, public. On a aussi, là on a vu les habits, mais il y a aussi la DA. Il y a lui aussi, donc on va regarder, on va pas de jaloux, on va aller à Basse-Terre, au nord Basse-Terre. Génial, faire du trampoline au bord de la plage. Moi, ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il était en chemise. On va faire un tour, on continue. C'est vraiment une visite carte postale. Et on va directement à Marie-Galante.
sincèrement, vraiment très, 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 des beaux portraits à la découverte. Mais c'est en quelque sorte très touristique, finalement. Exactement, comment découvrir la Guadeloupe autrement. Ouais. Voilà, c'est une façon originale de voir la Guadeloupe. Parce que, comme on disait, c'est un rêve. Ouais. Faire du trampoline sur la plage, vous vous rendez compte, vous ? Ouais. Vous faites votre trampoline et vous allez faire un plongeon dans l'eau. Oui. C'est quand même C'est le rêve de tout ça que... Vous savez, c'est quand on dit, hein, on ne sait pas apprécier ce qu'on a. Ouais. On nous le montre et demain, nous qu'un bifaille. Donc, il faut toujours ouvrir le chemin. Alors, c'est vrai qu'on a dit, on parle de la femme. C'est tout, pour moi, c'est tout le mois de mars, on va parler de la femme. Et bien entendu, on a parlé un tout petit peu de Belle Place. Mais Belle Place, c'est aussi un hommage, c'est que des femmes sur scène. Exactement, c'est que des femmes sur scène. Alors, Belle Place, c'est une aventure assez étonnante, puisque ce n'était pas du tout prévu que ça devienne une aventure féminine. Ça a été une rencontre d'artistes avec le chorégraphe Léo Lérus. On a commencé à faire des premiers moments avec différents artistes. Et puis, petit à petit, Léo, de lui-même, a souhaité... continuer. On avait deux femmes et puis du coup, bah, pourquoi pas une troisième. Voilà. Et donc l'équipe s'est constituée et finalement c'est quand elles se sont retrouvées, parce que le Métis Goa en fait donne la parole à l'artiste et donc c'est entre elles et Léo en fait que la question de la femme s'est posée et de se dire bah, justement voilà, on se retrouve à quatre femmes sur un plateau, qu'est-ce que ça évoque. Et on se rend compte que finalement de quelque chose qui pourrait paraître finalement anodin. En fait, voilà, ces femmes qui se sont retrouvées ensemble, ces femmes d'âges différents, de cultures différentes, de parcours différents, ont eu des choses à dire. Parce que finalement, c'est pas si simple d'être femme artiste. Et du coup, Belle Place devient un bel hommage à cette femme potomitan. Voilà, et là, la femme guadeloupéenne prend toute sa place. Et je remercie Nati Montella qui est cette danseuse guadeloupéenne qui a, par son caractère, son identité, son empreinte, montré la Guadeloupe et cette force dans cette pièce. En fait, voilà, chaque femme raconte un peu ce dont elle a à dire. Je veux dire, des parcours de ces femmes circassiennes aussi. Dans ce... Alors, on est quatre femmes. Est-ce que quand on est sur le plateau, on a forcément besoin de parler de ça? Après, tous les hommes, quand ils sont sur un plateau, ils n'ont pas spécifiquement rien, c'est besoin, ça, ouais, ouais. Mais voilà, et ben finalement, elles ont eu besoin. Ça a été des moments parfois difficiles. Hein. Il y a eu des pleurs parce que parfois ça soulève des souffrances, des questions. Et donc, du coup, Belle Place devient une interrogation de la place de ces femmes, des places, de quelle place parle-t-on. Voilà, de s'interroger sur la place de la femme, les places de la femme. Tout de suite en image. Elle est là devant moi comme une grande sœur. Baignée d'une peau foncée, elle marque ses pas avec une grande détermination. Moi, je suis en colère, vraiment. J'ai percuté toutes les inégalités que je subissais en tant que femme qui étaient inhérentes à mon genre. La femme potomitan, c'est la femme qui doit se comporter comme ça, qui doit tout le temps être droite, forte, sans jamais faillir. Est-ce que comme on est quatre femmes sur scène à partager un plateau, est-ce qu'on est obligé de parler de ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de raconter autre chose ou de se décharger de ça aussi? On arrive presque à la fin, mais rassurez-vous, vous aurez l'occasion d'aller sur les réseaux de Métis Goa, vous verrez tout sur leur YouTube, il y a franchement plein de choses. Mais on va quand même, avant de terminer, parler de leur actualité. Donc on va rappeler des dates, donc vendredi. Vendredi 18 mars, à partir de 17h à Sonis, au terrain Sonis, pour une rencontre cirque en quartier,
donc des ateliers de cirque et le spectacle de nos invités du Québec avec Christopher Pagnandi et Claude Kiavué en collaboration, donc au son du cas. Donc vous allez retrouver et découvrir toutes ces choses du cirque, le mât chinois, donc le fil de fer et tout ce qui est des acrobaties aussi, de la jonglerie et des saltos. Et puis il y a aussi une très belle activité dont vous serez partenaire, vous serez sur place, c'est à Basse-Terre. Alors je vais faire la passerelle en parlant de la convivialité. Ouais. Le moment que vous vivrez le vendredi soir est un moment convivial. Vous viendrez aussi boire un verre avec nous, manger des acras. Enfin voilà, c'est ça aussi le monde du spectacle, c'est partager. Donc c'est le rendez-vous des artistes, des habitants, le territoire. Vous êtes tous les bienvenus. Et alors cette convivialité, justement, on continue à la partager avec d'autres parce qu'il y a d'autres acteurs de cirque sur le territoire. Et donc nos artistes québécois iront partager cette coopération à l'international, mais coopération au régional, avec nos partenaires et complices de longue date qui sont Guada Circus, qui ont un festival qui sera le lendemain. On a été malin, on s'est bien coordonné sur les dates. Donc on retrouvera nos artistes canadiens, mais dans toute la programmation, évidemment, et guadeloupéens, excusez-moi, dans toute la programmation que fera ce festival, donc festival de cirque et des arts de la rue, qui se déroule à Basse-Terre, donc sur le Champ d'Arbeau, qui est le festival Nousseyon, voilà, de Guada Circus. Super. Alors, on va rapidement vous donner un agenda. Je ne pourrais pas vous en donner plus. C'est la foire qui aura ce samedi à 19 avec... pas la foire, il y aura... Bon, ça fera deux. Il me donne tout. C'est bon. On y va. Journée mondiale du sommeil de la Guadeloupe. Donc, bien entendu, le 19 mars. On sait que pertinemment... S'endormir au volant, c'est la mort au volant, au tournant, dis-je. Donc, consultez votre médecin. Donc, il y aura des stands, conférences, et ça se fera à l'auditorium Jérôme Cléry. Ensuite, c'est cette soirée que je voulais vous parler, la foire Bonnes Affaires avec Sans Mêler à la rue Victor Hugo. Et vous aurez aussi la team cycling qui sera présente. Vous aurez aussi... Elle va me tuer. Discrétive, elle va me dire comment se fait-il que tu n'as pas pu me dire qui est là. Alors, il y aura bien entendu des t-shirts et des pantes qui seront vendus à la boutique. Il y aura TMC sera présente et il y aura aussi Plus Belle Larry. Mon Dieu, comment j'ai fait pour oublier ça? Plus Belle Larry. Donc, il faut être à Pointe-à-Pitre samedi 19 2022 de 9h à 16h, 7 rue Victor Hugo. Et vous aurez tout ce beau monde qui vont vous présenter les créations. Ne cessez de voir toutes les créations que je porte à chaque fois que je fais une émission, c'est l'occasion, il y aura vraiment de bonnes affaires. Donc, il y aura effectivement à Capesterbello, pareil, samedi, la course de corde de bananier. Donc, vous voyez, tout le long, l'allée du manoir, il y aura tout un parcours, il y aura le mémorial de Jean-Marie Châteauneuf. Sincèrement, entre samedi et dimanche, il y aura vraiment à faire. Et pour finir, on va aller sur la ville du Moule, Zikemas, ce 23 mars, boulevard Général de Gaulle au Moule à 18h30. Panel d'artistes. Mais suivez le ZCL de lundi. Brisé de Tabarel vous en dira beaucoup plus sur cette manifestation. Donc restez connectés, canal Discabox, toute information là. Donc si vous voulez savoir ce qui va se passer au Moule ce 23 mars, donc elle sera l'invitée de Danick Zandronis ce lundi à 13h. Donc elle vous donnera tous les décatements. Et bien entendu, il y aura demain, je le dis, demain pour ceux qui sont sous Cap Excellence, manger à tout petit. Il y aura des ateliers gratuits. Allez sur le site de Cap Excellence. Sincèrement, c'est le moment de profiter comment mieux améliorer l'alimentation de nos enfants. Et quelquefois, c'est bien local. On devient locavore. Et c'est le moment, justement, avec, comme on dit, un Covid, tout. On se réapproprie ce qui nous appartient, on se réapproprie notre espace. On l'a bien vu avec nos invités. Confiance en soi, harmonisation. Franchement, avec vous, j'ai adoré passer ce petit moment. Sincèrement. Donc, merci. On rappelle, Biofos là, parce que Métis Croix fait très, très bien
le travail, très bien le job, comme on dit. Je pense que moi, quand j'étais petite, j'aimais le cirque. Ben, le cirque de Guadeloupe existe maintenant. On n'a rien à envier aux autres. En Ouai, Bayeux-Fosse, là. Et puis, on remercie Jordan. Je sais qu'il est en train de criser, il fume. Il me dit, mais pourquoi il n'arrête pas? Il faut qu'elle arrête. J'arrête, j'arrête. Et je fais des gros bisous à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui me reconnaissent. Merci beaucoup. Et bien entendu, big, big force, big amour à ma petite famille et à mes amis. Surtout, je pense toujours au Sud-Bastère. Ils se reconnaîtront. Allez, t'es connecté? Pas la gueule.